Alors moi, c'est Lucille, j'ai 37 ans, j'habite sur Signes et je suis cellière. Alors, j'ai été 16 ans dans une grosse entreprise d'ameublement, saturation au bout de tant d'années, j'ai commencé jeune, donc j'en pouvais plus, des conditions de travail qui se sont amplifiées pas dans le bon sens. J'ai été en arrêt un moment à cause de ça. Entre-temps, j'ai eu ma fille, une séparation qui s'en est suivie. Tout a découlé sur un burn-out, un besoin de changer totalement de vie et la reconversion, c'était la suite logique. Ce qu'il faut savoir, c'est que je suis dans une famille d'artistes dans tous les domaines, poterie, création, etc. Et j'avais besoin de me recentrer dans ce milieu-là qui est toujours là depuis que je suis petite, depuis que j'ai 10 ans, je couds en autodidacte. J'ai toujours appris toute seule, j'ai toujours fait plein de choses comme ça. Et là, il y avait un besoin de se recentrer dans ce domaine-là. Je suis tombée sur la sellerie, c'était parfait pour moi. Et il a fallu un bon moment pour préparer tout ça. Je me suis fait aider parce que j'étais vraiment au plus bas après pendant cette période de burn-out. Grâce à ça, ça m'a permis de remonter et même toute tremblante, j'arrivais quand même, j'ai quand même été au bout, j'ai pu faire mon dossier, le finaliser et puis je me suis lancée dans cette aventure. Ma mère a fait elle aussi une reconversion pour être artisan potier et elle a utilisé ce qu'on appelait avant le FONGECIF, qui maintenant est Transition Pro. Je suis passée par le projet de transition professionnelle qui permet de garder un maintien de salaire et qui prend en charge tous les frais de la formation. Aucun. Soyons directs, pas du tout. Le choix, il était fait. On ne sait pas à quoi on va s'attendre, mais non, j'étais partie, je ne pouvais pas revenir en arrière, ça pouvait être que du positif en fait. Donc, j'ai ma formation. Retour chez mon ancien employeur, enfin chez la médecine du travail surtout, parce que je suis passée en inaptitude. Donc la fin de contrat s'est fait comme ça, avec la médecine du travail. Et après ça, du coup, lancement de mon activité pour pouvoir démarrer cette nouvelle vie. Alors, j'ai eu la chance d'avoir un maître de stage avec qui ça se passe extrêmement bien. Je suis toujours en contact. Donc, du coup, pour démarrer mon activité, j'ai travaillé avec lui dans son atelier. Je l'aide quand il a besoin et moi, je continue à apprendre. Parce qu'en une année, on n'apprend pas énormément dans ce travail, hein. C'est quelque chose que même au bout de 20 ans, on continue à apprendre des choses. J'ai commencé à installer mon atelier dans ma nouvelle maison. Le but étant de travailler à domicile. Alors, le fonctionnement de la sellerie, du coup, on a des clients particuliers ou professionnels, peu importe, hein, tout le monde vient. On récupère la pièce qui est à modifier ou à créer complètement. Le client va nous donner les explications de ce qu'il veut et on commence à faire notre travail. Donc, s'il y a du démontage, on dégrafe, on va découdre, on va replacer nos pièces sur un matériau neuf. On retrace, on recommence à coudre, etc. Ça peut prendre une journée comme plusieurs semaines en fonction de la demande. Et le client vient voir sa pièce finie et en général tout va bien. Qu'il faut pas hésiter en fait. Il y a des moments qui sont difficiles dans la vie, il y a des moments qui sont bons. On peut pas descendre plus bas qu'à un certain moment. On peut que remonter. Et si on n'essaye pas, on restera dans son moment, dans sa descente. Il faut se lancer pour pouvoir changer de vie, pour pouvoir re-respirer, pour pouvoir avancer. On est accompagné. Il ne faut, faut pas se dire on est seul, on ne va pas y arriver. On a des doutes toujours, mais voilà, y a toujours des personnes qui vous accompagnent, que ce soit avec Transition Pro. Moi, c'est ça qui m'a permis d'avancer. Ils m'ont financé, c'est ça qui m'a aidé. Mais il y a aussi des personnes de la famille, etc., qui vous aident. Voilà, il faut se lancer.